Eh bien, bonjour. Je vous souhaite un bon après-midi à toutes celles qui se joindront à moi. Et j'espère que nous allons passer un beau moment ensemble. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet, une carte, simplement. Une carte pour, par exemple, la Saint-Valentin. Offrir à quelqu'un qu'on aime bien, ou même ça peut être un amoureux, mais je vous montrerai, vous déciderez vous-même à qui vous pourriez envoyer ça, par exemple. Avant de commencer, je vais juste vous donner des petits messages, tout simplement. Alors, le jeu de temples que j'ai utilisé, c'est celui-ci du dernier mini-catalogue, qui s'appelle « Le pli en chemin ». J'espère que vous le voyez bien. Pli en chemin, qu'on prend des beaux papiers. Si on achète tout le kit, évidemment, il y a le jeu des tempes avec les découpes, les beaux papiers, les ficelles colorées, les petits cœurs. Et tout ça ensemble, bien assorti, évidemment. Sinon, vous pouvez simplement avoir le jeu des tempes, tout simplement, et faire des cartes à votre goût, avec les poinçons ou sans les poinçons. Et alors, moi, ce que j'ai pris, c'est aujourd'hui, c'est le jeu des tempes et ses poinçons, et à peu près tout, en fait, sauf les ficelles. Ce que je vais vous mentionner, c'est qu'à l'heure actuelle, le Stampin' Up! Est encore en promotion pour Celebration, en anglais. Alors, à l'achat de 60$ minimum dans le catalogue ici, ou le catalogue annuel aussi, eh bien, vous avez droit à une prime. Il y en a qui sont à partir de 60$, des primes gratuites, des beaux papiers. Il y en a d'autres qui sont à partir de 120$ d'achat, comme par exemple celle-ci, ceux-là avec les beaux jeux d'étampes de petits fruits et papiers. Bon, ça, c'est à partir de 120$ d'achat. Alors, je tenais à vous le mentionner, au cas où si ça vous intéresserait. Ensuite, avec mon groupe de démonstratrices, nous sommes un groupe qu'on appelle les Joyeux Tutos. Eh bien, on continue de vous offrir aussi une belle promotion. Il y en a une qui est pour janvier. Ça se termine évidemment demain. À l'achat de 60$ de produits Stampin' Up, avant transport et avant taxe, eh bien, vous avez droit à 6 beaux tutoriels, tout bien expliqués, qu'on vous envoie par courriel. Ça, c'est ceux-là de janvier, mais surprise, en février, il y en aura d'autres. Dès le 1er février, il y en a 7 nouveaux tutoriels, tout à fait différents de ce qu'on a proposé à date. Alors, ça aussi, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut commencer à faire ses petites cartes, ses produits, ses projets pour le printemps, la Saint-Valentin, ou bien après ça, ça va être Pâques, tout ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais utiliser le beau jeu d'étampes pli remis. Vous voyez comment c'est beau avec les petits escargots. Puis, avec ça, ben, il y a évidemment les découpes, ou les poinçons qu'on appelle, tout simplement, qui fonctionnent dans la machine de découpe de Stampin' Up. Ça fait que ça fonctionne très bien. Alors, on peut découper, étamper nos beaux nos petits limaçons, nos petites limaces ou colimaçons, c'est plutôt ça. Les escargots, c'est ça. Et les découper aussi ensuite avec les découpes ici. Mais ça se découpe aussi très bien à la main. Ce sont des images quand même où il n'y a pas trop d'arêtes pointues. Alors, ça va très bien. Alors, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Avec les beaux papiers que je vous montre, les papiers de la collection, il y en a plusieurs beaux papiers. 12 feuilles en tout, 2 feuilles de chacune des couleurs, des belles couleurs, des beaux imprimés, des imprimés aussi avec des beaux escargots de couleurs. Alors, pour des cartes pour les enfants, les anniversaires enfantins, là, ça, c'est très joli, c'est vraiment magnifique. Et vous voyez comment c'est beau. Puis, dans chacun des kits de papier comme ça, à l'endos, sur le carton, il est toujours marqué les couleurs qui sont assorties, les couleurs de papier uni que vous pouvez utiliser pour assortir. Alors, moi, j'ai utilisé ce papier-là. Alors, on va tout de suite commencer. Je vais vous montrer
dans ma petite boîte ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne sera pas long. Je vais essayer de voir ici si je peux voir. Si vous avez des commentaires à apporter, gênez-vous pas pour les écrire. Et ça me permet, moi, de vérifier si mon système fonctionne bien. Alors, voilà. Alors, je vous avais écrit, bien sûr, que c'est une petite histoire que je vous raconte. Mais, en fait, c'est une histoire, mais vous pouvez l'inventer comme vous voulez. C'est une histoire de petits escargots, dans le fond, qui s'en vont rencontrer peut-être maman escargot, tout simplement. Alors, j'ai commencé, bien entendu, à préparer mes petites pièces. Hein? Bonjour, Raphaël! Alors, je vous donne les mesures qui sont écrites ici. Et voilà. La base de carte, évidemment, elle est de 8 pouces et demi par 5 pouces et demi. Et on la plie en deux ici à 4 pouces et quart. Alors, ça, c'est ma base de carte, sur lequel je vais poser un de mes beaux papiers que je vous ai montré tout à l'heure. Il va être par-dessus ici. Lui, il mesure 5 pouces et quart, comme ça, par 4 pouces. On en enlève toujours un petit peu, ou un quart de pouce, autant que possible. Et ma petite image, ma petite histoire, elle, est encore un peu plus petite. Le sujet comme tel, il est à 4 pouces et 7 huitièmes par 3 pouces et 5 huitièmes. Et lui va aller par-dessus ici. Alors, ça, ce sont les mesures. Je les écrirai sur mon blog, mais aussi sur la page Facebook, quand je vous montrerai la photo définitive. Alors, j'en profite pour vous dire que vous pouvez aller voir mon blog, qui s'appelle Inspire et Création, donc carolegauvin.blogspot.com, et sur ma page Facebook, qui s'appelle facebook.com/cargo, là où vous êtes présentement. Alors, ok, on va aller voir, c'est bien, comme ça, ok. Bon, je pense que c'est tout à fait un petit peu, je vais me déplacer un peu pour pouvoir, comme ça ici, pouvoir voir mieux, et voilà. Alors, on va commencer tout simplement. Je vais vous montrer aussi des petits trucs. Donc, on va commencer par la petite image ici. Ça, on va le mettre de côté pour tout à l'heure. Et ce que je vous montre tout simplement ici. Voilà, j'ai commencé déjà à utiliser, étamper les escargots. OK. Alors, j'ai pris le plus gros ici. Celui-là que j'ai étampé ici. Mais, je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que j'ai fait aussi. Et ce petit-là aussi, qui est celui-ci, avec petit mot pour toi. Et aussi, j'ai utilisé un tout petit escargot, encore plus petit, ici, qui provient d'un kit Paper Pumpkin du mois de janvier, qui traite de la Saint-Valentin. Alors, j'ai utilisé celui-ci et j'ai utilisé aussi un petit feuillage, tout simplement, d'un autre kit Où est-il? Bon, ça va pas bien. Ah non, il est ici, c'est ça. Alors, un autre petit feuillage ici que j'ai utilisé pour... il venait d'un autre kit de Paper Pumpkin aussi... Alors, on va commencer comme ça, tout simplement. Alors, ce que j'ai fait, j'ai étampé pour commencer mes petits escargots. Là, ce qu'on va faire, j'avais étampé aussi au début un peu de feuillage, simplement. Là, ce qu'on fait, je me suis fait des masques, tout simplement, deux petits escargots, ici, pour vous montrer, tout simplement, la technique du masquage. Quand on veut étamper un sujet qui va paraître derrière un autre sujet, bien, il faut masquer celui-ci. Puis eux, ici,
Ben là, je ne les masque pas parce que je vais vous montrer dans ma petite enveloppe. Puis ici, j'ai des pièces que j'ai déjà colorées et découpées avec les beaux poinçons. C'est ceux-là qui sont déjà colorés. Ils vont aller par-dessus, tout simplement, en dimension, ainsi que les petits champignons. Alors ça, ça va être pour tout à l'heure. Tout à l'heure, on va les utiliser. Là, pour l'instant, on va y aller avec... bon, je vais vous montrer comment j'ai fait mes petits feuillages. Alors, ici, bien entendu, j'ai du vert. Ici, le verdure, ici, est en vert riche raisin. Mais là, je vais mettre du vert olive par-dessus, tout simplement, juste pour vous montrer comment ça se produit, comment qu'on fait ça. Alors, en mettant de l'encre bien comme il faut. Là, en étampant par-dessus, ben, je vais cacher mes escargots. Alors, c'est pas grave, je peux les mettre un peu, les tamper un petit peu par-dessus ici. Ça fait un petit peu plus une variété de verre. Ici aussi, comme je vous dis, ça va être caché, alors c'est pas très grave. Et voilà. J'en ai fait trois. Trois fois. Alors là, si on enlève nos masques, on va enlever les petits masques. C'est bon d'avoir des ongles comme ça. Bon. Voilà. Ça, c'est un petit papier post-it. Alors, c'est facilement décollable habituellement. Alors, vous voyez que mes petits escargots ici ne sont pas colorés. Et par contre, que ça me fait quand même du feuillage de deux teintes un peu. Ça donne un peu de texture. Alors là, elle, je vais la mettre de côté. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai coloré mes petits escargots. C'est avec les beaux crayons Stampin' Blend qui sont à l'alcool. Alors, ceux-là, je vais en faire un. Vu qu'ici, j'en ai déjà un en gris, en rose. Tiens, je vais y aller avec le gris ardoise bourgeoise foncé. Pour... non, le pâle plutôt. Je vais prendre mon pâle ici. Je vais vous montrer ici comment on commence à colorer tout simplement l'intérieur. C'est sûr que si vous n'avez pas ces crayons-là, vous pouvez très bien prendre des beaux crayons de couleur que vous avez à la maison. Ça fait très bien aussi, c'est sûr. On comprend qu'on ne peut pas s'équiper tout de suite avec tout le matériel tout d'un coup. Alors ici, on essaie de ne pas trop dépasser, évidemment. Quand j'étais jeune, j'étais pas très très bonne dans le coloriage. Maintenant, ben, j'essaie de m'améliorer. Les petits yeux, ici aussi, on y va avec la pointe plus fine. Tout simplement. Bon, ça ici. Ensuite, avec le foncé, le ardoise bourgeoise foncé, je vais y mettre un peu de texture sur les petits points ici. Comme ça ici, cette petite bouche. Et vous voyez que déjà, on voit une différence de couleur. Et je repasse avec mon ardoise bourgeoise couleur claire par-dessus pour bien uniformiser la petite couleur, le petit escargot. Alors, comme vous voyez, ça fait comme un petit peu d'ombrage. Et voilà, tout simplement. Alors, c'est terminé pour le ardoise bourgeoise. Et le petit coquillage, je vais le mettre... tiens, un en rose, j'ai choisi le flamand fougueux. Je vais y aller avec la couleur pâle. Tout simplement. Comme ça. Celui-ci aussi, tiens, en rose. Flamand fougueux. Et on va leur mettre un petit peu de dimension en appuyant, en colorant avec le flamand fougueux plus foncé.
comme ça ici, donner un peu de volume. Et en recoloriant de nouveau avec le rose flamand fougueux clair, eh bien, c'est voilà, ça remplit. Ça remplit tout. Ça donne une de la texture un peu. Ici, un petit peu. On peut laisser un peu de blanc, c'est pas vraiment dramatique. Ensuite, pour les yeux, tiens, je vais les faire en bleu, comme pour les deux autres ici, mais simplement le bleu le plus pâle. Et là, je prends la pointe fine parce que c'est une petite surface à colorer et je ne veux pas dépasser. Tiens, comme ça ici. Et ici. Et voilà. Mes étampes ont été, mes escargots ont été étampés avec le Memento, Tuxedo Black. C'est une encre à l'eau. Alors, en principe, ça ne se mélange pas avec les couleurs de Stampin' Blend, qui, eux, sont à l'alcool. Mais c'est toujours quand même important de laisser sécher un peu notre image avant de commencer à colorer. Comme moi, je l'ai fait hier, là, mais normalement, hein, au bout de 15 minutes, là, c'est bien sec, puis il n'y a pas de problème. Alors, nos petits escargots sont faits. Ensuite, on va coller en dimension les deux autres ici, tout simplement. Je vais fermer mon pavé d'angle pour commencer par faire des dégâts. Ici, avec des petits points de dimension, comme ça ici, on va en mettre quelques-uns en arrière. Petit escargot, un autre ici, un autre ici. Alors lui, voyez-vous, je l'ai coloré lui aussi dans les mêmes teintes. On enlève les petits papiers et je vais la poser directement par-dessus celui-là, tout simplement comme ça. Ouais. Et puis celui-ci, c'est la même chose. On va le mettre aussi en dimension. Comme ça ici, puis je vais en mettre un au milieu aussi. Et voilà. Bon, ça c'est bon. Alors, on va le mettre ici, bien vis-à-vis. Et voilà. Alors, ça fait nos beaux petits escargots. Tout simplement. Je pense que je vais en mettre un autre ici, tout petit, tout petit. Le couper un tout petit morceau parce que... Son petit œil ici, pour pas que le petit œil décolle. Et voilà, tout simplement. Et voilà. Comment vous trouvez ça? Ça s'annonce bien. Alors, pour la suite, eh bien, on va placer nos beaux petits champignons. J'en ai 4 ici. Je vais en mettre 3. Tiens, 2 petits rouges, puis un jaune. Je pense que c'est ça que je vais faire. Alors, ceux-là, ici, je pourrais en placer un tout simplement. Un en surélevé ici. Bon, c'est la même chose. On va aller chercher. Oups, ils sont ici. Alors, un tout petit, là, il faut les couper encore un peu plus parce qu'ils sont... On va les couper un petit peu comme ça. Je vais prendre mon petit outil. Ici, ça, c'est très pratique, cet outil, là, pour piquer, ramasser des petits objets. Alors, lui, j'en ai un ici que je vais mettre dans ce sens-là. Enlever sa petite pelure. Et lui, je le mettrai comme ici, comme ça. Un deuxième, le petit rouge, lui. Je vais le mettre, attendez une minute, comme ça ici. Alors, le petit rouge, je vais le mettre ici. Et l'autre ici. On va en faire un autre petit. Tout petit, petit.
sur le pied ici du champignon. Et lui, je vais le mettre ici, disons. Où est-ce que vous aimeriez? Ici, je pense. Tiens, comme ça ici. Alors, les trois petits champignons sont placés. Ça fait un petit paysage, une petite histoire. On dirait que les trois, on va dire que les trois petits-enfants escargots s'en vont à la rencontre de leur maman et pour lui offrir un petit mot d'amour. Ce que je vais faire avant d'aller plus loin, un petit peu de doodling. Savez-vous c'est quoi le doodling? Avec un beau crayon comme ça ici, à pointe fine, noire, je vais y aller tranquillement pour faire des petits pointillés un peu tout le tour qui vont faire ressortir un peu l'image. Alors, on y va quand même au hasard. Des petits points, des petits traits. On ne calcule pas. On fait ça pour se détendre. On y va comme ça. Tout simplement. Ça donne déjà une apparence un peu plus joyeuse, je dirais. On y va sans calculer. Bon, ici, il n'y a plus de place. On va continuer ici. Tout simplement. Comme ça. Et voilà. Ça fait, on peut y aller avec toutes sortes de petits dessins hein, quand on veut faire du doodling. Là, ce sont des petites formes, des lignes, des points. On peut mettre des petits cœurs. Quelqu'un qui dessine bien aussi peut faire de beaux dessins comme ça à main levée. On va y aller avec des petits points, des traits. Et voilà. Tiens, ça se termine. Et voilà. Je trouve que déjà, ça fait un peu de plus fini. Un petit peu plus fini. Alors, un coup que ça s'est fait, on va coller sur notre base de cartes, sur notre papier. Là, je ne les ferai pas en dimension parce qu'il y en a déjà un peu ici. Et puis, si on l'envoie par la poste, ben, ça va être trop épais. Alors, pour coller notre beau papier rouge sur notre base de carte. Tout simplement, un peu de colle ici. Il ne faut pas en mettre trop pour pas que ça déborde. Alors, on va bien le centrer, tout simplement. Et voilà. Et celui-ci aussi, là, je vais vérifier, j'ai rien oublié. Non, le reste, ça va se placer. Ah, voyez-vous, j'avais déjà commencé à faire des tests en dessous. On peut récupérer nos cartons quand ils ne sont pas amochés, là. Si on s'est trompé une première fois, ces cartons-là sont de bonne qualité, alors on peut les réutiliser de l'autre côté. Alors, ça c'est bien enluminé. C'est parfait. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour ça ici? Ben, il me reste à mettre des beaux petits cœurs que j'ai ici dans ma petite boîte. Regardez comme c'est joli. Des petits cœurs rouges, des blancs. C'est ça qui s'accorde très bien avec le jeu, les jeux des tempes et avec aussi le... Tiens, on va en prendre un qui s'est échappé ici. Un ici, un autre comme ça, pas à l'envers quand même, là. Comme ça ici, et un troisième qu'on va mettre ici, tiens, non, comme ça, comme prévu ici, tout simplement. Alors, on a mis nos petits cœurs. On a étampé. Maintenant, l'intérieur de la carte, voyez-vous, j'ai étampé encore une fois et coloré aussi au Stampin' Blend.
Les petits cœurs ici proviennent du même jeu des tempes que je vous ai montré, du Paper Pumpkin. C'est ça ici. Alors, ça. Puis j'ai mis un beau vœu ici que j'ai pris aussi dans un jeu des tempes qui s'appelle, attendez que je vous dise, il provient de celui-là, un grand cœur pour la Saint-Valentin, c'est très, très joli. Alors on peut mixer, comme j'ai déjà dit, mixer des vœux qui viennent de d'autres jeux des tempes avec des étampes, des images d'un autre jeu. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, nos petits escargots et la petite enveloppe que j'ai étampée aussi en memento et les petits cœurs en rouge, rouge, rouge. Eh bien, pour le colorer, lui, je vous montre un petit truc. Je vais chercher mon petit papier, mon petit carton brouillon, tout simplement, qu'on glisse dans l'enveloppe ici, et bien dans le fond. Pour éviter qu'en colorant avec les Stampin' Blend, l'encre traverse le papier. Parce que c'est de l'encre à l'alcool, les papiers absorbent assez bien. Ce qui fait qu'il faut faire attention. Alors ceux-là, on va les faire, tiens, le faire en rose et rouge. Le petit rose flamant rose. On va colorer comme ça tout simplement. On va lui faire aussi ses petites, ses grands yeux. Tiens, je vais faire ses yeux. Oh, on va lui faire d'une autre couleur. Et encore une fois, un peu de plus foncé pour donner un peu de l'apparence d'ombrage. Et on repasse avec le flamant fougueux clair par-dessus pour uniformiser. Et voilà, pour son corps. Ses yeux, on va y aller encore une fois avec le bleu, voyons, baie des Bermudes, des beaux yeux bleus. Si vous rencontrez des beaux escargots comme ça dans votre jardin ou dans vos fleurs, soyez sûrs qu'ils ne sont pas dangereux. Et pour le beau cœur ici, je vais prendre le rouge, rouge-rouge et le rouge-rouge foncé. Le clair en premier. Ça ici. Et des ici pour le beau cœur. Voyez-vous comment il est beau? Ils ont formé comme un beau cœur. Voilà. Et je repasse un peu par-dessus. Ça donne un peu plus de d'ombrage. Alors, ceux-là sont faits. La petite enveloppe, il ne faut pas oublier d'enlever quand même le petit carton. Ensuite, ça l'a évité, comme vous voyez, que ça transperce bord en bord. Alors, la petite enveloppe est faite. La carte est montée. L'intérieur aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Et que vous essayerez vous aussi de faire des petites histoires amusantes comme ça, en inventant un petit paysage avec des fleurs à travers, des petits animaux. Alors, c'est très facile à agencer avec des jeux d'étampes et de feuillage. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé. Et on se reverra une autre semaine pour une autre vidéo. J'ai plein de petits projets à vous présenter. Alors, bye bye! À la prochaine!